On souhaitait interpeller le maire de Saint-Paul, M. Joseph Sinimalé, dans le respect ainsi que dans le dialogue social. Nous avons vu que M. le maire, en lui demandant gentiment d'avoir la parole, que cette personne n'a pas voulu. Il a insisté à ce qu'on porte plainte, donc on a préféré ne pas bousiller son conseil municipal. Mais nous sommes venus tout simplement lui porter quelques points sur l'état de la mairie de Saint-Paul, surtout sur le non-renouvellement des contrats des gens diplômés avec plus de 6 ans de contrat qui s'est permis de mettre à la porte alors qu'il n'a pas le droit. Alors aussi des procédures de licenciement qui ne sont pas aux normes, des statuts administratifs qui passent du technique à la pratique. Alors nous sommes aujourd'hui vraiment déçus du comportement qui est donné par le président, par le représentant de la mairie de Saint-Paul, en nous demandant de ne pas parler dans ce conseil municipal. Eh bien, très bien, monsieur, nous vous annonçons que dès demain, un mouvement de grève sera lancé et vous allez payer les conséquences. Je vous remercie. Vous monsieur, est-ce que vous parlez, est-ce que vous êtes un collectif ou... Je suis un collectif de personnel qui a été rejeté de la mairie de manière sauvage. De manière méchante, illégale. Nous sommes une 80, environ 80 personnes, mais il y a beaucoup plus qui vont venir dans le conseiller personnel. Alors, on en a au service de la restauration scolaire. On en a. Vous n'êtes pas, monsieur le maire. Je vais acheter.